fait? Est-ce que ça va? J'ai fait un cauchemar. Allez. Becky, mais enfin, prends un verre. Je suis en retard. Où as-tu pris cette épouvantable habitude? Timmy le fait. Maman, je ne bois pas à la bouteille quand je suis invitée chez des amis. Mais je l'espère. Il faut que je me sauve. Ah, mange quelque chose. Pourquoi elle se dépêche comme ça? Elle a une sortie scolaire. Ah. Un toast. Qu'est-ce que tu as? J'ai rêvé que Timmy était revenu la nuit dernière. Oui, il me manque aussi beaucoup, mais il a Caroline maintenant, hein? Je ne m'inquiète pas simplement parce qu'il me manque. Faye. Bon, alors, explique-moi. Oh, mais c'était juste un rêve très bizarre qui m'a vraiment remué, c'est tout. Ça va passer. Téléphone, puisque tu en meurs d'envie. Je ne connais même pas son numéro. Et il t'a dit où est-ce qu'il devait aller? Bah oui, quelque part dans les environs de Chicago, là où la tempête a fait les plus gros dégâts. Tu sais quoi, je te parie qu'il a dû descendre dans un hôtel bon marché où il n'y a même pas le téléphone. Appelle Caroline. Oh non, non, je ne veux pas l'ennuyer. Allez, je file, je vais être en retard au bureau. Au revoir. À ce soir. Allô? Caroline? Faye, comment allez-vous? Très bien. Excusez-moi de vous déranger, mais je m'inquiète pour Timmy. Ça fait des semaines qu'il n'a pas donné de nouvelles, et j'avoue que ça ne lui ressemble pas. Vous l'avez eu récemment? J'avais l'intention de vous appeler. Je me fais beaucoup de soucis pour lui. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis le jour où il est parti. Quoi, depuis tout ce temps? Alors maintenant, je suis vraiment inquiète. Ne cédons pas à la panique. Vous connaissez Timmy. Il est probablement débordé. Et les lignes téléphoniques n'ont pas toutes été rétablies depuis les tempêtes. Faye? Faye, vous êtes toujours là? Allô, Faye? Faye, vous êtes toujours là? Et n'oublie pas ton gros pull bleu des sports d'hiver. Je l'ai pris, maman. Je l'ai mis avec mes caches-oreilles. Écoute, tu vas pas m'appeler tous les matins pour vérifier comment je m'habille. Pas vrai, pas? Laisse-lui donc un peu de temps pour se faire à cette idée. D'un autre côté, ça m'arrange bien que tu quittes la maison. Oh, s'il te plaît. Tu sais que je pense que ça va être une merveilleuse expérience. La grande ville, des tas de distractions. Tu apprendras à te débrouiller tout seul. Je suis ta mère et tu vas beaucoup me manquer. C'est gentil de me le dire. Allez, maintenant, tous les deux, dégagez. C'est encore ma chambre, il faut que je finisse mes bagages. Tu veux qu'on dégage? C'est pas la zone, maman. C'est génial, tu vas vraiment adorer. J'ai rencontré deux mecs sur un petit boulot, ils m'ont aidé à déménager. Et... wow! J'ai trouvé un boulot par l'annonce que j'avais fait passer dans un canard local. Oh, c'est fantastique, chérie. Ton père va être content d'apprendre la nouvelle. Je suis ravie pour vous que la maison vous plaise. C'est vrai qu'elle est superbe. Je suis contente de vous l'avoir trouvée. Vous pouvez arrêter une minute. Désolée. La fuite est réparée. Il a presque terminé ici. Et c'est naturellement le vendeur qui paiera les réparations. Donc tout devrait être prêt... pour demain? Demain? Excellent. Oh, ça va? C'est chouette, merci. Merci de rien, voyons, c'est tout à fait normal. C'est très gentil. Eh bien, je vous dis à demain, alors. D'accord, à demain. Bye, bye. Je voulais vous remercier d'avoir travaillé vite et bien pour moi. Mes clients sont vraiment des chiens. Et si tout n'est pas absolument parfait, ils se plaignent. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Votre manière de parler, votre manière d'être. Moi, ça m'amuse beaucoup. Dites... ça vous dirait d'aller boire un café? Maintenant que j'ai fini, j'avoue que j'aimerais bien aller me détendre.
Je dirais que c'est plutôt une bière glacée qu'il vous faudrait. Alors, elle est bonne, cette bière? Vous aviez raison, c'est une bonne bière glacée qu'il me fallait. J'étais pas venue dans une boîte aussi ringarde depuis mes années de lycée. Oh. Dites-moi, Tim, si vous possédez une entreprise, pourquoi est-ce que vous faites des petits boulots comme ça en plus? Je n'ai pas ma propre entreprise. J'ai menti dans ma petite annonce. Je suis plutôt un sous-traitant. J'ai du boulot pour moi et pour mes deux employés, mais j'ai des projets. Un de ces jours, j'aurai ma propre entreprise. L'initiative, j'adore ça chez un homme. Ah. Ce qu'il me faut, c'est mon statut d'entrepreneur. Et ensuite, j'irai terrasser le dragon. C'est ce que mon père dit parfois en allant travailler. Je vais vous dire pourquoi j'ai accepté ce boulot. Votre voix au téléphone m'a complètement fait flasher. Ça vous dirait de danser ? By an angel on high, from a soft proposition to his gentle reply. Gentle admission, long been trying to find the light of your life. And I felt the moment we had. Allez, allez, on ferme. Vous n'êtes pas obligé de rentrer chez vous, mais vous pouvez pas rester ici, hein. Elle s'appelle Caroline, maman, et j'en suis très, très amoureux. C'est tout récent. Oui, mais je sens que tout va changer. Cette fois-ci, je suis sûre que c'est sérieux. Ouais, c'est ce que tu avais dit pour ta dernière petite amie. Et pour celle d'avant aussi. Avant Jeannette. Et Judy, avant elle. Au moins, Caroline, ça commence pas par un J. Te moque pas de moi. Écoute, elle est brillante, très drôle. Elle dirige une agence immobilière. D'accord, je te crois. Tu m'as convaincue, j'abandonne. Est-ce que je t'ai dit qu'elle était super mignonne? Wow. Non, c'est vrai. Normalement, à vrai dire... Arrête! Non, je rentre à peine de mon jogging. Quoi? Mon petit ami va... Non, je veux dire mon rendez-vous. Quel petit ami? Non, non, j'ai pas dit mon petit ami, maman. Non, à vrai dire, je dois y aller. Il faut que je me sauve, maman. J'ai un rendez-vous très important. Ah, qu'est-ce que tu maman, as... Maman, je dois raccrocher maintenant. Au revoir, maman. Comment se fait-il que les types que j'engage ne correspondent jamais à ce que j'attends d'eux? Tu n'es jamais contente des gens que tu fais travailler. Tu es une perfectionniste insatisfaite. En tout cas, j'aimerais que tu aies ta propre agence immobilière et que tu abandonnes tes études de droit. Tu veux que je brise le cœur de mon père? Comment va-t-il? Il a encore perdu du poids. Jenny? Les médecins pensent qu'il n'en a plus pour très longtemps maintenant. Je suis désolée. Écoute, j'ai pas envie qu'on se mette à pleurer, alors mieux vaut changer de sujet. Ok. Alors, comment va ton amant mystérieux? Et quand vais-je enfin rencontrer ce Timmy qui t'appelle au bureau depuis plus d'un mois? C'est sérieux? Hein?
Bien souvent, les mecs que je drague sont des jeunes cadres narcissiques. Mais celui-là est différent. Il n'a rien à voir avec les autres. C'est une sorte de poulain fougueux et adorable. Il a les mains calleuses et il a des biceps qui pourraient bien te faire peur. Oh. Tim m'a tellement parlé de vous que j'ai vraiment hâte de faire votre connaissance. Madame Dolan? Faye. Appelez-moi Faye. Puisque vous ne pouvez pas venir ici, je me suis dit que je devrais me présenter moi-même au téléphone pour que si jamais un jour c'est moi qui réponds au téléphone, vous ne soyez pas trop choquée. Oui. Je sais que ce n'est pas facile. D'ailleurs, ma mère a réagi de la même manière. Pas trop vite, pas trop vite. Mais c'est pas comme si on allait se marier. On va simplement vivre ensemble. Franchement, vous ne trouvez pas que c'est mieux? Donc, quand vous sortez dîner, tu montes dans sa belle camionnette avec ta belle robe? Maman, dis-lui d'arrêter, s'il te plaît. J'essaie simplement d'imaginer la situation, mais si ça te met mal à l'aise... Ah, dis donc, Kevin, c'était quand la dernière fois qu'une femme t'a regardé d'à peu près? Je t'en prie, arrêtez tous les deux. Cesse d'être insolent avec ta sœur et arrête de mettre tes doigts dans le caviar. Kevin a raison, tu sais, je ne comprends pas ce que tu fabriques avec ce menuisier. C'est psycho-hormonal. Pardon? C'est une réaction chimique, maman. Ha-ha! Ce n'est pas un homme pour toi. Mais j'ai rencontré d'autres hommes qui n'ont pas tenu leurs promesses. Tim me fait rire. Il est tendre, séduisant. Ça m'est égal qu'il ne porte pas de cravate. T'as remarqué qu'elle ne proteste pas trop. Ton père et moi ne t'avons pas envoyé au lycée ni installé dans ta propre affaire pour que tu régresses. Nous t'avons appris à viser plus haut, Caroline. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux contre moi? Je n'ai pas le droit de boire. Mon foie. On peut le sentir ici. Dur comme du bois. Mais ça ne fait rien, madame me fait préparer les cocktails. Vous trouvez que c'est gentil, ça, hein? Pas tellement, monsieur. Vous voulez que je m'en occupe? Non. Non, non. Les martinis, c'est ma spécialité. La pêche? Pardon? Vous pêchez? Non. Golf? Non plus. Mais vous ne jouez jamais? Oh non. Le travail prend presque tout mon temps. Donald, qu'est-ce que tu fais avec ces martinis? On t'attend. Il ne vous a pas trop fatigué? Oh non. Nous avons parlé des très nombreuses choses que nous avons en commun. Tu empestes l'alcool. Il a bu un cocktail? Non seulement tu bois, mais en plus tu bois tout seul. Je t'en prie. Comme un voleur. Pas quand on reçoit du monde, Hélène. Et ne t'en va pas quand je te parle. J'en ai pas encore fini avec toi. Oh! Comment oses-tu? Arrête! Comment oses-tu? On va peut-être rentrer. Non, restez. Ça leur passera. En plus, maman a fait du canard. Oui, restez pour le canard. À quoi tu penses, chérie? À rien. Allez, je sais que tu penses à quelque chose. C'est vrai. Je pense à ta mère. Elle l'a frappée. Tu ne trouves pas que c'est un petit peu... excessif? Elle a perdu la tête. Tu l'as vue? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais ce que j'ai vu ce soir. Je suis désolé. Je veux pas qu'on s'engueule. Chérie, écoute. N'approche pas, Timmy. Écoute, Caroline, c'est pas la peine... Tu arrêtes. Tu as compris? Ce que j'essaie de te dire, c'est peut-être que ta mère a besoin d'un soutien psychologique. Bah voyons, dis carrément qu'elle est folle. Caroline, hé! Ne t'en vas pas quand je te parle. Tu veux m'écouter une petite seconde? Va-t'en! Calme-toi! Fous-moi la paix! Excuse-moi de t'avoir blessé. Je t'ai mise en colère. Je suis pas comme ça. Je sais. Je sais. Je veux te demander pardon. Je suis sûre que je vais avoir l'œil au beurre noir demain matin.
Pourquoi tu me dis une chose pareille alors que je viens juste de te demander pardon? Tu ne te rends pas compte que je suis complètement sous pression. Ma famille, mon agence, la pression que je mets sur moi-même. Parfois, j'ai l'impression que je porte tout le poids du monde sur mes épaules. Alors, quand tu m'as attrapé les mains, je crois que j'ai dû me sentir agressée. C'est là que j'ai perdu la tête. Écoute, dis-moi que tu m'aimes et tout se passera bien. Je t'aime. Dépêche, Tim. Avant qu'il neige, d'accord? Ouais, ouais. Tu y es? Vas-y. Quel bon vent. Timmy Dolan? Oui? Vous avez gagné le gros lot. C'est votre petit ami qui vous envoie ça. Que vous en vouliez ou pas, c'est payé d'avance. D'accord. Merci beaucoup. On dirait que c'est plutôt bien parti avec cette Caroline, non? Ouais. Pourquoi t'as allé au beurre noir, Timmy? Pourquoi tu nous as pas raconté? Moi, j'ai ma petite idée, puisqu'il veut rien nous dire. C'est quoi, docteur Freud? Le sexe. C'est sûr, il a dû baiser comme un lion et ramasser un mauvais coup. Ça m'est arrivé une fois. Je me suis éclaté la tête sur un des deux montants en cuivre de mon pieu. Ouais, les mecs, ça va. Tu sais bien qu'on aime déconner, Timmy. Je paie pas mes gars pour faire les comiques. C'est le problème, Tim. Tu nous paies jamais. Ah ouais, Francky a raison. C'est pour quand nos chèques? Pas de planning, vous allez être payés. Au boulot, faut finir ça. L'entrepreneur pour qui je travaillais a foutu le camp. Je l'ai cherché, il est nulle part. Il me doit du blé, il faut que je paie mes ouvriers. Un des deux a un gosse. D'accord, je vais en parler à ton père. Ce sera un emprunt à court terme, seulement si vous en avez les moyens. Chérie, pourquoi tu n'appelles pas de chez toi? Je veux pas que Caroline soit inquiète. Vous êtes ensemble maintenant. Vous êtes censés pouvoir discuter de ce genre de choses. Je sais, mais elle penserait que j'arrive pas à gagner ma vie. On a sérieusement parlé de mariage. De mariage? Timmy, on ne connaît même pas cette fille. Alors venez chez nous pour le week-end. Venez. Ça me ferait plaisir, maman. Salut, Jenny. Comment vas-tu? Bonjour, Tim. Caroline est allée faire visiter une maison. Qu'est-ce que tu as à l'œil? Tu as pris une porte? Tu crois pas si bien dire. Exact. Moi aussi, je suis très maladroite. Alors, comment va ton père? Les médecins ne peuvent plus faire grand-chose. Je ne voulais pas te faire de la peine, excuse-moi. Tiens, regarde. J'ai acheté ça pour lui. Je sais qu'il aime la musique classique. Jenny, ça va s'arranger. Il faut que tu y crois. Hein? Faut pas renoncer. N'oubliez pas de faire un vœu. Ah, bravo! Quel souffle! Je rêve ou est-ce qu'elle se fout de moi? Dis-moi pourquoi elle m'a demandé de venir si c'est pour draguer ce Gus. C'est tout à fait Caroline. Très relations publiques. Qui c'est ce gars-là? Ils ne font que parler, Timmy. Vous n'avez pas répondu. Elle travaille dans l'immobilier, il est créancier hypothécaire, ils font souvent affaire ensemble. On dirait plus que des collègues. Il a été son petit ami. Ce gâteau est divin. Alors, tu passeras me voir là-bas? C'est une belle maison. Je peux te voir? Il faut qu'on y aille maintenant. Mais moi, je ne vais nulle part. On doit passer prendre mes parents à l'aéroport. Je n'ai pas envie d'y aller. Je les verrai à la maison. Je voulais le voir, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Ah.
C'était délicieux. Oh, je vais débarrasser Pardon. Ça. Allez-y, merci. Ah, je suis si contente d'être enfin arrivée ici. On avait très envie que vous veniez. Et ce que vous avez fait de cet appartement est épatant. J'aimerais bien savoir comment vous avez empêché Tim d'accrocher son panier de basketball au mur. Je vous ai préparé une tonne de café. Tim vous montrera où tout est rangé. Je suis vraiment désolée, mais il faut que je me sauve. Je dois passer à mon bureau. Aussi tard? Bonsoir. Si vous voulez bien m'excuser une minute. Attends. Mes parents sont venus pour te rencontrer. Je leur ai dit que nous allions parler du mariage. C'est pas mon problème. Donne-moi les clés. Je sais que tu vas voir ce mec. Nous travaillons ensemble. Nous avons plusieurs affaires en commun. Ta mère m'a dit que c'est ton ex-petite amie. C'est vrai? Réponds-moi. Donne-moi les clés. Réponds-moi. T'as vraiment un problème, hein? Mais qu'est-ce qu'il prend? Lâche-moi. Tu rentres à la maison tout de suite. Tu vas crever. Tu ferais mieux de descendre les séparer. Fiche-moi la paix. Mais arrête, lâche-moi, je te dis. Non, c'est toi qui arrêtes. Dis-moi où est ton problème. Arrête, hein? Timmy. Timmy, je t'en prie. Arrête. Arrête, Timmy, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est... Écoute, écoute, c'est vraiment très gênant pour ta mère et moi. Je suis désolé, maman. Désolé. Bonsoir. Ça sent affreusement bon ici. Où est papa? Bacon, brouillé, et ton père est allé faire une balade. C'est joli. J'ai pas le temps de déjeuner, maman. Désolé, faut que je parte au boulot. Vous savez, la raison de votre dispute d'hier soir ne me regarde pas. Ne vous inquiétez pas, Faye. Quand on se marie, on prend un véritable engagement. L'enjeu est de taille. Aimez-vous mon fils? Bien sûr, je l'aime beaucoup. Tant mieux, parce qu'il mérite vraiment d'être aimé. Oh, parfois, il compte un peu trop sur les autres, peut-être, c'est vrai, mais c'est un homme bien, et il vous rendra heureuse. Vous vous inquiétez beaucoup trop pour nous. Vous savez, j'aimerais tellement que ma mère sache un jour parler de moi de cette manière. Arrêtez, on va se mettre à pleurer. Vous allez nous quitter demain, alors... Si ça vous dit, je vous emmène faire du shopping. Je connais un magasin d'enfer où vous trouverez des fringues formidables pour Becky. Sans blague. Merci. Il n'y a pas de quoi. On espère que ça te portera chance. Tout va bien se passer, maman. Tu sais que je travaille bien. Les gens vont s'en rendre compte. Ça me fait de la peine de devoir galérer comme ça. Ce n'est pas juste. Non, t'inquiète pas. Garde un bon souvenir de ta visite. Je vais vous voir monter dans l'avion avec le sourire. On a été très heureux. Alors, il faudra revenir. Fait. En route. Allez, je t'appelle dès que j'ai trouvé du boulot. D'accord. Prends ton sac. Pardon? Thank you.
ça un peu le ch'ti qu'il a. Ah, c'est la grande classe. Tu m'étonnes. Génial. Ouais, super. C'est excellent. Oui. Merci, merci. Salut, chérie. Viens t'asseoir. J'ai travaillé aujourd'hui. Il faisait trop mauvais. Ah, une averse de 5 minutes. Le chantier est arrêté, tu sais. Il est arrêté ou il y a eu de la pluie? Qu'est-ce que tu choisis? On se casse. Allez, à demain. Merci pour les bières. Ouais, de rien. Allez, à demain, les gars. Tu n'as rien préparé pour dîner? T'énerve pas comme ça. Ce soir, je te sors. Avec quoi? Il va falloir que je t'entretienne si tu trouves pas de travail. Ça, c'est dur. Quand je t'ai connu, j'ai cru que tu étais ambitieux. J'avoue que je me suis bien trompée. Je fais une omelette, d'accord? Caroline, j'ai passé ma journée à chercher du travail. Arrête, j'ai pas envie d'entendre tes bonnes excuses. C'est pas des excuses. Non, attends, tu demandes de l'argent à tes parents et en plus, tu viens des crochets. Ça va comme ça, Tim. Je veux plus de toi ici, t'entends? Fiche-moi le camp. C'est moi. Oh, tu m'as fichu la peur de ma vie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas à Chicago? Il y a eu de la bagarre. J'ai besoin d'une pause. Oh, Trésor, je suis désolée. Oh, ça va aller. Tu en es sûr, mon chéri? Oui. Et ne me fais plus peur comme ça. C'est promis. Je vais te donner des serviettes propres et ensuite tu me diras ce qui s'est passé. Bien... C'est pas la faute de Caroline. C'est la mienne. J'ai tout gâché. Elle dit que j'arrive à mener aucun projet à terme. Tu disais la même chose. Et vous avez raison, toutes les deux. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oh, c'est rien. Au travail, je suis tombé. Téléphoner le premier. Tu n'as rien à ajouter. J'ai trouvé l'idée en regardant les infos. Ils ont eu pas mal de dégâts là-bas. Ils vont avoir besoin de monde pour nettoyer tout ça. Et il paie un bon salaire. Je n'ai pas envie que tu y ailles. Tu voulais pas un mari ambitieux? Je vais te montrer que j'ai de l'ambition. T'as pas besoin de faire ça. Mon père va me prêter un peu d'argent pour acheter des tronçonneuses et de l'équipement.
Je convaincrai Frankie et Dom de venir si je leur dis qu'on peut s'en mettre plein les poches. Ensuite, je lui ai simplement posé la question et elle a dit oui. On est vraiment content que tu aies pu venir. Ça compte beaucoup pour Caroline. Elle veut qu'on forme tous une vraie famille. Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Bien. Ça me fait plaisir de vous voir. Tu me donnes ça? Vous devez penser qu'on est complètement cinglés, mais nous faisons le bon choix. Il n'y a pas longtemps, j'étais idiote et... Je suis complètement folle de votre fils et j'imagine pas passer le reste de ma vie sans Tim. Bon, on peut y aller? Oui. Maman, je t'en prie. Merci. J'espère que le vol était correct. Parfait. On a beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Cet après-midi, on pourra aller à la mairie et puis demain, j'ai pris rendez-vous pour la robe de mariée. Tout ça va si vite. Est-ce que vous me cachez quelque chose? Non, maman. Caroline n'est pas enceinte. C'est pour moi. Bien, je croyais que je pouvais tenir le rythme, mais tous les deux, vous m'avez épuisée. On a fait plein de choses aujourd'hui. Vous savez ce que j'aimerais? Que vous puissiez rester plus longtemps avec nous. Moi aussi. Je me suis vraiment bien amusée. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je vais au lavabo, je reviens tout de suite. Demande-moi ce que tu veux. Avez-vous réglé vos différends? Vous vous disputez toujours? Il ne s'agit pas de cela, tu sais, maman. Je sais qu'on peut réussir. Vous avez l'air de vous aimer. Tu en doutais. Je t'adore, maman. De charger mon équipement. Je me serais bien changé, mais Caroline m'avait dit de ne pas être en retard. Votre maman est une femme charmante. Elle vous aime beaucoup, Madame Blair. Ah, la liste des invités à un mariage est une chose très importante. Quoi, elle a pas? Tu veux... Tu veux me tenir ça? Qui est-ce qui gagne? Moi. Oh, c'est bien, ça ne m'étonne pas. Tu es en retard. Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Eh bien, c'est un ami de Kevin aussi. Sois gentil. Avec ce type. J'ai pas compris. Il est question de mariage, de famille. J'ai peut-être manqué un épisode. J'ai pas envie d'en parler maintenant. On est supposé s'amuser. Caroline. Tout à l'heure. Venez tout le monde. On va dans la salle à manger pour faire la liste. On reparlera de ça plus tard. Salut, Timmy. À plus. Ok. Pourquoi t'as dit à ce type de venir? Tu n'as pas à me dire qui je peux inviter chez moi. Merde, à la fin, tu te prends pour qui? Mais pour celui que tu vas épouser. Oh, et tu crois que ça me donne le droit de me dire ce que je dois faire? J'en ai marre de toi, j'entends. Tu comprends ça? Tu fais au moins la paix. J'en ai ras-le-bol, ras-le-bol. Mais t'as vraiment un problème, hein? Il va te soigner. Tiens. Elle n'est pas là. Oui, oui, je sais. Jenny, tu peux me rendre un service, donner ça à Caroline. Je viens de recevoir l'adresse à laquelle les équipes de secours doivent se retrouver. Elle sera là dans une minute. Tu n'as qu'à l'attendre. Non, non, c'est pas une bonne idée. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe?
Jenny, dis-lui juste que si elle a besoin de me joindre, c'est la première ville dans laquelle je m'arrête. Ok. Quoi de neuf? J'ai donné mon préavis. J'ignore combien de temps mon père tiendra, alors il a besoin de moi. Je ne reviendrai pas avant longtemps, alors je te souhaite... bonne chance. Merci. Vous savez, le Télévis est un grand cœur gonflé de solidarité, d'émotion et d'espoir. Nous prenons rendez-vous maintenant pour le Télévis 2002, le samedi 27 avril prochain. Achetez dès maintenant le porte-monnaie Télévis. Préparons nos euros pour ce grand élan de générosité. T'as vu, attention! Allez, faut finir tout ça, après on ira manger! Tu prends une bière, toi? Et à ton avis? Alors, est-ce qu'on pourra se voir ce soir? Sauf si t'es déjà marié? Oh, t'as dû me confondre avec mon pote là-bas. Tu vois, c'est lui qui est fiancé. À ce soir, je serai au Johnny Bees. Ça marche. Just know, time to think about letting go. Time's even forgot to be blue. Big feet to shuffle them sand. Leave no trail but slip right through your hand. Done every little thing I know to do. Pas dehors. Elle a une copine sympa. Sans moi. Bah écoute, je croyais qu'on sortait pour se marrer. J'ai un problème. Ouais? Ouais, je sais ton problème, c'est que depuis qu'on est là, tu fais la gueule. Avec Caroline. Quoi? Tu hésites? Non, je renonce. Bon, depuis qu'on est ici, tu l'as appelée? Non. On s'est encore engueulé, ça s'arrangera jamais. On se supporte plus. Pour la toute première fois de ma vie, je vois les choses très clairement. Caroline, elle a tout. Elle est belle, elle est brillante, elle a de la personnalité. Malheureusement, elle a aussi l'étoffe d'une tueuse en série. Tout est fini. Je dois lui dire. Je suis en train de vivre un vrai cauchemar. Ça va aller. Oui, merci. Je leur ai envoyé un fax. Ouais, salut. Service des personnes disparues. Mais d'accord, ne quittez pas. Jack. Quoi? Tu te rappelles cette femme qui nous a appelé d'Hartford pour nous signaler une personne disparue? Oui. Eh bien, elle n'est plus à Hartford désormais. Madame Dolan. Bonjour, Madame Dolan, inspecteur Jackman.
passe? On s'est parlé au téléphone, je crois, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de mon fils. Vous savez bien, Madame Dolan, que ce n'est pas un délit lorsqu'un adulte disparaît. Oh, pas Timmy. Il appelle. Il appelle toujours. Vous dites qu'il répare les dégâts causés par la tempête, mais il y a des lignes qui n'ont pas été rétablies dans certains endroits. Il trouverait un moyen. Vous avez contacté sa petite amie? Ils sont fiancés. Et comme je vous l'ai dit au téléphone, elle non plus n'a pas eu de ses nouvelles. Réfléchissez, madame. Il s'agit d'un jeune homme avec pas mal d'argent en poche, parti faire des fredaines avant son mariage. Timmy ne ferait jamais ça. Écoutez, je ne peux pas faire grand-chose. Je n'ai aucune piste. Il n'y a pas de délit. Désolé que vous soyez déplacé pour rien. Vous ne pouvez pas vous tromper à ce point-là sur mon fils. C'est Timmy. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Pas du tout. Quand êtes-vous arrivée? Je suis venue pour signaler à la police la disparition de Timmy. On ne peut pas faire ça depuis un autre état. Et où est Michael? Il avait du travail et il fallait que quelqu'un reste avec Becky. Oh, Caroline. J'ai peur que quelque chose d'affreux soit arrivé à Timmy. Arrêtez, vous allez me faire peur aussi. La police n'a été d'aucun secours. Je ne sais pas vers qui me tourner. Je fais des cauchemars horribles. Il faut que je sache où il est et qu'il va bien. Je veux des réponses. Il faut garder espoir. Il reviendra. Bon, où sont vos valises? Au motel. On va aller les chercher, vous serez mieux ici. Oh, non, non, c'est hors vous de... Vous vous installez ici. Pour le temps que vous voudrez. Merci. Vas-y, vas-y, toujours. Il y a un cadavre avec, j'espère. Non, monsieur. Vous avez bien dormi cette nuit? Non. Oh, le lit était parfait. Merci, c'est... Je n'ai pas réussi à vraiment dormir depuis 2 semaines. Vous ne prenez rien? Non. Quoi? Tout me semble différent. Oh, j'ai changé le mobilier. Oh, j'ai cru que j'étais en train de perdre la tête. Je ne l'ai même pas remarqué hier soir. Oh, il était tard et vous étiez triste. C'est un nouveau tapis, non? Oh, il y a eu des soldes incroyables. J'avoue que je n'ai pas résisté. Alors, quel est votre plan pour Timmy? Caroline, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous refaites la décoration? Votre vie continue comme si rien ne s'était passé? Timmy a disparu. Vous ne l'avez même pas signalé à la police. C'est très difficile pour moi de vous dire ça. Tim et moi avons rompu. Vous promettez que vous ne me haïrez pas pour ce que je vais dire? Tim devenait violent avec moi. Nous nous sommes battus et il est parti juste après pour déblayer les dégâts causés par la tempête. Jusqu'à votre coup de téléphone, je croyais qu'il vous avait déjà tout dit. J'étais tellement mal à l'aise. Il a laissé des affaires ici et j'étais certaine qu'il passerait à les reprendre. Je suis désolée. De l'eau gazeuse. Merci. Vous auriez dû venir nous trouver plus tôt, Faye. Je sais que les choses n'ont pas toujours été parfaites entre nos enfants. Maman, je lui ai déjà dit qu'on s'était battus, alors restons-en là. Leur séparation a été
disons, assez violente. Alors dites-moi, Faye, vous avez avancé aujourd'hui? Malheureusement, pas du tout. J'étais dehors toute la journée, alors elle est restée coincée à la maison. Peut-être que Caroline pourrait faire une liste des amis de Timmy. Tu connais ses amis? Mais non, je n'en connais pas tellement. Mais j'en connais quand même. Je vais faire ça. Voilà, vous voyez, il faut faire un plan. Hier, il a plu toute la journée. Le chantier a été interrompu. Si le temps se maintient, on pourra peut-être le rattraper, soit tard. Voilà. Vous allez avoir besoin de ça. Vous avez l'horaire des bus? Oui, je l'ai pris. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider. Je comprends tout à fait. Ne faites pas attendre vos clients. On dîne ce soir au café Topaz. D'accord. D'accord. 19h. Veuillez m'excuser. Madame. Vous connaissez-vous Dominique Santos? Hé, hey, Dominique! Oh! Merci. Merci, Dominique. Appelez-moi Dom, comme tout le monde. Si on m'appelle Dominique, c'est qu'on a quelque chose à me reprocher, comme faisait maman. Entendu, Dom. Je suis désolée de vous déranger au travail, mais je ne sais plus quoi faire. Ah, cool, écoutez, j'aime bien Timmy, mais je ne l'ai pas vu. Si je le vois, je vous le dirai. Parce que si c'était moi, je ne voudrais pas que maman panique. Timmy aurait quitté la ville avec un copain pour aller sur un chantier. Vous êtes au courant de ça? Vous connaissez ce garçon? Il s'appelle Frankie. Frankie, je sais pas quoi. Dites-moi où je peux trouver ce Frankie. Je peux pas. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre mère. Eh bien, moi, je commence à paniquer. C'est le numéro où on peut me joindre. Je vous en supplie. Aidez-moi à trouver Frankie. Appelez-moi. Merci, Dom. De rien. Fais. Ah. Ah, je n'ai rien vendu du tout et un autre acheteur m'a laissé tomber aujourd'hui. Oh, je suis désolée. Comment ça s'est passé? Vous avez trouvé quelque chose? J'ai pris 5 bus différents. Je connais Chicago mieux que les chauffeurs. Et je n'ai trouvé qu'un des amis de Tim. Si vous envoyez de l'énergie positive dans ce que vous faites, ça va marcher, j'en suis certaine. Quand ce vilain petit salopard va m'appeler, je vais vous dire que je vais lui sonner les cloches. Il m'aurait appelé s'il avait dû s'en aller. On est si proches. Avec Timmy, on venait souvent jouer au frisbee par ici. Vous dites on venait comme si Timmy était mort. Mais non, voyons, je voulais dire quand nous vivions ensemble, fait. Je ne voulais pas être désagréable, Caroline. C'est pas grave. Quel est le motif de votre dernière dispute? Le même motif que le soir vous étiez là. Et vous dites qu'il était violent? J'ai pas envie d'en parler. Je veux savoir. Tim et moi, on avait des problèmes. J'ai recommencé à voir mon ex-petite amie. Alors que vous viviez avec Timmy? Je sais. Quand Tim l'a découvert, il est devenu fou. Fait, vous ne devriez pas écouter ça. Je le veux. Il m'a tiré les cheveux, il a essayé de brûler mon visage en le rapprochant de l'une des plaques chauffantes. Mais de qui êtes-vous en train de parler? Sûrement pas de mon fils. Oui? Allô? Hé! Hey. Je ne peux pas dormir. Comment ça se passe? Oh, ça va. Dis-moi, tu as eu du nouveau aujourd'hui? Non.
Et Becky, elle va bien? Ah oui, oui, Becky est en pleine forme. Tout va bien au lycée, au bureau aussi. Mais quel est le problème, Faye? Je ne peux pas dormir. Des cauchemars? Ouais. C'est vraiment difficile de croire ce que Caroline m'a dit sur la violence de Timmy. J'ai appris à l'inspecteur Mas qu'ils avaient rompu. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne m'a pas appelée. Bien, peut-être tout simplement qu'il est très mal à l'aise vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Caroline. Est-ce qu'elle t'assiste dans tes démarches? Oh oui, oui, elle me consacre autant de temps qu'elle peut. Elle a son travail. Les chiffres du moteur de la camionnette repêchée correspondent à celles de votre fils. Si vous en avez la force, j'aimerais que vous veniez avec moi à la fourrière pour compléter son identification, s'il vous plaît. Seigneur, je vais y aller. Je vous suis. Non, je dois voir sa camionnette. C'est le premier élément important qu'on trouve depuis qu'il a disparu. Est-ce que la peinture par endroit est effacée? Pour la même raison qu'on a enlevé les plaques d'immatriculation. Celui qui l'a fait voulait qu'elle soit difficile à identifier. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Je peux être franc. Si quelqu'un l'avait volé pour prendre des pièces détachées, ces pièces manqueraient. Et si ce quelqu'un l'avait volé pour faire une balade, il ne se serait pas fatigué à effacer la peinture. Il est arrivé malheur à Timmy. Je ne suis pas encore vraiment prêt à l'affirmer, effet. Disons que le cas de votre fils a retenu mon attention. Et vous n'avez rien de plus à nous dire? Non, rien, hélas. Bien sûr, on en aurait appris davantage si la voiture n'avait pas séjourné 3 semaines dans l'eau. Et qu'allez-vous faire maintenant? Et pour finir, du nouveau sur la camionnette qui a été repêchée l'autre jour d'un chenal de pêche du lac Michigan. La camionnette appartenait à Timothy Dolan, qui a lui-même disparu de la région de Chicago depuis 3 semaines. Toute personne possédant des renseignements sur lui est priée de contacter les services de police immédiatement. J'ai pensé qu'il valait mieux que nous parlions en dehors de la présence de Madame Dolan. Eh bien, la dernière fois que j'ai vu Tim Dolan, nous nous sommes battus. Il est parti en disant qu'il avait un chantier qui l'attendait. Vous partez quelque part? Oui, j'ai dû me débarrasser de mon vendeur. Pas assez productif. Et ma secrétaire est partie s'occuper de son père. Ses bureaux sont devenus trop grands pour moi. Est-ce que Timmy avait des ennemis? Avait? Ah, vous comprenez ma question. Non. Je veux dire, j'en sais rien. On évoluait dans des milieux différents. Je ne sais pas s'il avait des ennemis. Fait-il usage de drogue? Il boit un peu d'alcool, si vous pensez que c'en est une. Auriez-vous été au courant s'il avait consommé de la drogue en cachette? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'il avait une espèce de vie secrète? Avait ou a? Peu importe. Était-il violent dans son comportement? Avec vous? Est-ce que vous plaisantez? Il me battait. Allô?
êtes-vous? C'est Dom. Madame Nolan? Oh, Dom, oui. Vous m'aviez donné ce numéro au cas où j'arriverai à joindre Frankie, le gars avec qui Timmy travaillait. Écoutez, si je vous parle, c'est seulement parce que j'aime bien Timmy. S'il vous plaît, dites-moi où il est. J'en sais rien, on est rentré il y a 3 semaines, c'est tout ce que je sais. On devait se revoir quelques jours plus tard, mais Timmy n'a jamais rappelé. 3 semaines, vous dites? Oui, je me souviens de la date parce que je devais voir mon agent de liberté conditionnelle. Et Tim, il remontait pour rompre avec sa petite amie. Il disait avoir trouvé un plan pour repartir à zéro. Enfin, voilà ce que je sais. Il a vu Caroline? Il m'a dit ça avant de me déposer. J'ai du mal à vous croire. Tant pis. Et je vais vous dire, sur la route, on s'est chopé une amende. Vous pouvez vérifier auprès des flics. Remuez-vous un peu, les gars. Caroline dit que Timmy était violent avec elle. C'est vrai? Ah non, c'était justement le contraire. Vous savez, il m'a beaucoup parlé d'elle. Il avait des bleus sur tout le corps. Et je l'ai même vu, elle, lui taper dessus un jour sur leur parking. Elle lui a balancé un pain par la vitre de la voiture et lui, il est resté là. Il a pas bronché. Allez, les gars, la pause est terminée. On retourne au boulot. La police devrait vous entendre. Vous viendrez avec moi? Non, madame. Je suis désolé. Si mon agent de liberté conditionnelle découvre que j'ai réussi à quitter la ville, je repars en prison. Désolé. Te v'là, toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous m'avez caché que Timmy était repassé par ici il y a 3 semaines? Je n'ai pas menti. J'ai parlé à Frankie. Il m'a dit que Timmy était revenu exprès pour rompre avec vous. Il a menti. Et est-ce qu'il ment quand il dit que c'est vous qui étiez violente? Frankie est un sale drogué incapable de se rappeler ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Pas plus qu'il n'est capable de se rappeler ce qui s'est passé il y a 1 heure. Mais moi, je le crois. Qui appelez-vous? La police? J'appelle un taxi, ne vous inquiétez pas. Je l'ai essayé. C'était le 5 mars. Ils sont dans la salle à manger en train de déjeuner. Il y a un problème? Madame Blair, Monsieur Blair, excusez-moi pour ce dérangement. Nous venons d'apprendre par un procès-verbal que Tim Dolan était en ville dans la journée du 5 mars. Vous l'avez vu? Non. À votre connaissance, votre fille l'a-t-elle vu? Non. Écoutez, sergent. Inspecteur, vous ne trouvez pas étrange que Tim soit rentré sans être venu voir Caroline? Je crois que je n'aime pas les sous-entendus que vous formulez, inspecteur. Excusez-moi. Les recherches dans les morgues n'ont rien donné. Les recherches dans les environs n'ont rien donné et personne n'a vu Timmy quand il est repassé. À part Frankie. Écoutez ça. Frankie est parti avec Dolan, d'accord? Alors peut-être que Dolan est rentré les poches pleines d'argent. Et Frankie, un ex-dollar, l'a tué. L'esprit humain est une horrible chose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont été indignés. Ça ne m'étonne guère. Vous m'avez demandé de vous signaler tout ce dont je pourrais me rappeler. Eh bien, Caroline s'est acheté de nouveaux meubles et un tapis. Pardon, mais je ne vois pas bien le rapport. Au bureau de l'inspecteur Mass? Mais ils étaient très bien, les anciens meubles. Ils étaient presque neufs. Une petite seconde, je vous prie. Jack, ligne 2. Eh bien, j'ai pas le temps, je rappelle. Prenez cet appel. Inspecteur Mass? J'aurais peut-être des renseignements à vous donner sur Timothy Dolan. Ça ne vous dérange pas de répondre à quelques questions, mademoiselle? Non. J'aimerais vous aider le mieux possible. Entrez. Comment qualifieriez-vous votre relation avec Tim Dolan?
Je vous ai dit que nous étions fiancés. Oui, mais vous m'avez également dit que vous ne l'aviez pas revu. Or, d'après mes informations, il est revenu. Je vous ai dit aussi que nous avions rompu. Mademoiselle, vous est-il arrivé d'avoir des gestes violents envers Tim Dolan? Non, c'est exactement le contraire. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Je jette un coup d'œil, mademoiselle. Tout va bien, n'est-ce pas? Ce n'est pas légal. Vous nous avez laissé entrer. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez maintenant. Si vous vouliez changer votre version, vous soulager d'un poids, mon numéro. Tu as quelque chose? À plusieurs endroits, j'ai relevé des traces de sang. Fait, je croyais vous avoir dit d'attendre au poste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez découvert? Allons en parler ailleurs, Fait. Non, je veux en parler tout de suite. Caroline est là? Nous pensons que Tim a été victime d'un meurtre. Elle l'a tué. Je savais. J'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps. En plus, j'ai eu des problèmes avec ma valise à l'hôtel. Ça va finir par me rendre folle. Michael, j'ai habité dans la maison où elle a tué Tim. Ça, tu n'en sais rien, Faye. La police a trouvé du sang dans l'appartement de Caroline. Mais non, ça ne prouve rien du tout. Il doit être analysé. Dans ce cas, pourquoi ils ne m'ont pas laissé monter? Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Tout ceci prend une tournure qui ne me plaît pas. Je me sens si seule. Écoute, Faye, je n'y tiens plus, je ne peux pas rester ici plus longtemps, je prends le premier vol. Oui, mais tu penses à Becky? T'inquiète pas pour Becky, je vais dire à ma sœur de venir ici. Bientôt? Oui, bientôt. Je t'aime. J'ai fait mon devoir. Je suis venue témoigner. On a besoin de l'entendre s'accuser elle-même. Vous pourriez l'enregistrer pour nous. Je ne peux pas m'approcher d'elle. De penser qu'elle l'a peut-être tuée, ça me terrorise, vous comprenez? Écoutez, il faut que j'aie ses aveux sur cassette pour avoir un mandat de perquisition. Vous devez nous aider. Pouvez-vous m'y obliger? Pourrais-je lui parler une petite minute, seul à seul? Merci. Vous savez à quoi j'étais en train de penser à côté? Pendant des années de ma vie d'adulte, j'ai eu un fils. J'avais 18 ans quand on s'est mariés. Vous savez quel âge Timmy avait? 26 ans. Essayez d'imaginer le vide immense que je ressens.
C'était un bon garçon. Vous le savez, Jenny, comme il était bon. D'ailleurs, il m'avait parlé de la maladie de votre père. Il est mort. C'est pour ça que je n'ai pas témoigné plus tôt. Je suis désolée. Timmy m'a porté des cadeaux pour mon père. Des disques. Des bouquins. Vous connaissez la mort maintenant, Jenny. Nous la connaissons, vous et moi. Nous savons à quel point c'est définitif. Vous croyez que Caroline Blair a arraché Timmy à ceux qu'il aimait? Vous l'avez dit à la police, n'est-ce pas, Jenny? Oh, Jenny. Si cette créature n'est pas punie comme elle le mérite, nous ne ressentirons plus rien qu'un vide infini. Parle. Une conversation téléphonique entre vous et les parents de Caroline. Je pense qu'ils ont pu avoir connaissance du crime. Vous me cachez quelque chose? Fait. Vous et moi, nous travaillons en équipe. Ne gâchons pas nos chances. On veut savoir. On était d'accord. Je pense qu'il est temps de mettre ces gens-là sous pression. Madame Blair, Fay Dolan à l'appareil. Oh, Fay, est-ce que vous allez bien? Caroline nous a dit que vous vous étiez quittée fâchée l'autre jour. Fâchée? Je ne peux pas vous dire à quel point il est difficile pour moi de vous passer ce coup de fil. La police croit que Timmy est mort. Mort? Oh, je suis désolée. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour vous? Nous sommes là, vous savez. Il croit aussi que Caroline est directement impliquée. Mais c'est complètement insensé. Je crois moi aussi qu'elle est impliquée. Désolée que vous réagissiez comme ça. Nous prierons pour vous. Ça va? Oh, Jenny, ça va. Oh. Assieds-toi. Les flics ont appelé toute mes relations et tous les amis que j'ai depuis l'enfance. Le médecin m'a prescrit des sédatifs, mais ça ne marche pas. Je ne méritais pas ça. Le pire, hein, tout ça, tu vois, c'est que je savais que quoi que Timmy entreprenne, il échouerait. Pourquoi j'ai pas pu le laisser tomber? Quand Timmy était gentil, il était merveilleux. C'était comment déjà la chanson? Et quand il l'était pas, il me faisait perdre tout contrôle. Parle-moi. Ça te fera du bien. Je peux pas faire ça.
Essaie. Caroline. Dis-moi ce qui s'est passé. Caroline. Tim n'était resté absent qu'une semaine. Puis un soir, il a débarqué. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas sur ton chantier? Je suis passé prendre mes affaires. Tu t'en vas? Je viens reprendre mes affaires. Que tu le veuilles ou pas, tu ne me feras pas changer d'avis. Ne t'en vas pas quand je te parle! Qu'est-ce qui est plus important, moi ou tes affaires? Arrête! Je ne veux pas te faire de peine. Je ne sais même pas si ça te ferait de la peine. Mais je dois prendre mes responsabilités à partir d'aujourd'hui. T'as trouvé quelqu'un? Je n'ai trouvé personne! Tu mens, sale fils de pute! T'as besoin d'un psy et moi je ne peux plus rien pour toi. Je veux plus me battre désormais, Caroline. C'est fini. J'ai même pas assez d'énergie. On est arrivé à l'appartement. Tim avait rampé jusqu'au salon. Je pense qu'il avait essayé d'atteindre le téléphone. Il est encore en vie. C'est passé comme tu nous l'as dit. Non. Hélène. Tu veux que ta fille aille en prison? Mes parents ont une maison au bord du lac Michigan. Il y a un bateau là-bas. Caroline.
Son seul crime aura été de te laisser tomber. Madame, vous n'avez rien à faire ici. Je suis chez moi, ici. Nous avons un mandat de perquisition. Vous avez soulevé le tapis et le canapé. Vous passerez dans la chambre ensuite. N'oubliez pas les coussins, les fauteuils. Il faudrait découper le tapis. Je voudrais des tests comparatifs du sang trouvé dans la cuisine et sur ce mur. Il faut lâcher un peu de mou, Blackwell. Fay et Michael Dolan, j'aimerais vous présenter Paul Blackwell du bureau du procureur. Madame. Bonjour. Monsieur Dolan. L'inspecteur Mass a dû vous le dire. Nous n'avons pas de corps, donc nous n'avons pas de dossier. Et par-dessus le marché, nous n'avons même pas d'armes. Nous avons la voix de Caroline sur une bande avec ses aveux. On peut prouver que Tim était en ville à cause de l'amende qu'il a reçue. Le sang prélevé dans l'appartement est le sien, il n'y a aucun doute. Il vivait là, il aurait pu se couper. Oh, ça ne tient pas debout et vous le savez. Mais ça servira à la défense et vous le savez. Traduction, ça fera des ordres dans leurs archives au moment de l'élection du procureur. Les jurés dans ce comté ne rendent jamais de verdict sévère sans avoir de preuves solides. Ce qu'il essaie de vous dire, c'est que son bureau a eu quoi ? Une seule condamnation pour meurtre avec preuve indirecte en à peu près 2 années ? Bon, puisque vous remettez ça sur le tapis, que se passera-t-il si le cadavre est découvert ? Après qu'elle soit acquittée, elle s'en sortira. Laissons le grand jury décider de ça. Ce cadavre a un nom. Timothy Michael Dolan. Ah oui, bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Je suis désolé. Vraiment. Excusez-moi. Je n'y connais absolument rien. Tout ce jargon est pour moi incompréhensible. Mais je suis sûre d'une chose. Nous n'aurons jamais plus de preuves qu'aujourd'hui. Madame Dolan, si on agit trop tôt, on risque de perdre ce procès. Écoutez, il faut vraiment prendre une décision maintenant. Nous réclamons justice. Si on fait traîner cette affaire, alors ces gens-là vont croire que finalement ils s'en sont tirés à bon compte. Mais qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois que Caroline s'en prendra à son petit ami ou, Dieu l'en préserve, un jour à son enfant? Faites quelque chose. Becky. Oh, trésor, ça me fait plaisir de te voir. Becky. Bonjour, papa. Ma petite, bonjour, chérie. Comment s'est passé ton voyage? Très bien. Comment ça se passe ici? On n'en sait encore rien. Les avocats sont en train de présenter le dossier devant le grand jury. Mais pourquoi ils les ont pas encore arrêtés? C'est la seule et unique manière pour traîner les Blair en justice sans le cadavre de ton frère. Vous avez déjà témoigné? Oui. Tous les deux. J'ai tout dit. Merci, Jenny. Voici notre fille, Becky. Becky, bonjour. On m'a beaucoup parlé de toi. Bonjour, monsieur. Un ami vient de m'appeler du tribunal. Le grand jury est réuni à l'heure qu'il est. S'ils poursuivent Caroline pour meurtre et recèlent le cadavre, cela va m'empêcher de me servir de l'autodéfense comme stratégie. Il faut que vous le sachiez. Mais qu'est-ce que vous me dites? Tuer Tim pour se protéger elle-même, c'est une chose. Mais ne pas prévenir la police, ne pas faire ce qu'il fallait, comment je peux expliquer ça à un jury? Il va falloir que vous témoigniez et que vous reconnaissiez que vous vous êtes débarrassé du corps, sinon il y a des chances qu'elle écope de la peine maximale. Quelles sont les preuves?
la voix de votre fille sur une bande. Le corps du fils Dolan peut être localisé. Et il y a des traces de sang indiscutables dans l'appartement. Vous n'avez pas fait un ménage minutieux après avoir emporté le corps. Je suis désolé, mais voyez-vous, je n'ai pas l'habitude de nettoyer des taches de sang. Je viens pour votre fille, Madame Blair. Le grand jury vous inculpe du meurtre de Timothy Michael Dolan. Caroline Blair, au nom de la loi, je vous arrête. Est-ce que je peux la conduire en ville avec notre avocat? Non. Mais je ne peux pas vous empêcher de nous suivre au commissariat. Avant que nous vous posions quelques questions, vous devez connaître vos droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat avant l'interrogatoire. Comme si vous étiez ma fille. Et pendant tout ce temps, vous et votre famille si aimante, vous saviez tous que mon fils était au fond du lac Michigan. Vous avez tué un garçon gentil et bon. Vous nous l'avez pris alors qu'il venait à peine de commencer à vivre. Arrêtez le bateau, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Ça va aller, fait. Je voulais venir, je me l'étais promis. Dis-moi qu'on a fait ce qu'il fallait pour Tim. On a élevé notre enfant pour qu'il soit bon, attentionné, qu'il aime la vie. C'est tout ce que les parents peuvent faire. Et c'est ce que tu as fait. Je crois que tu peux y aller. Je t'aimerai toujours, Timmy.